Moi, quand je dors bien, je suis trop contente. Il est bientôt midi, j'ai fait grasse mat et aucun regret. Genre, c'est le week-end. J'ai prévu énormément de choses pour aujourd'hui parce que c'est le week-end, parce que j'ai les enfants et tout. Donc, là, déjà, je vais leur faire des petites crêpes et tout. Il est midi, on se tard, c'est pas grave, on est le week-end, je m'en fous. Ensuite, je vais les emmener à The Green Planet. En fait, c'est une serre tropicale où t'es en contact avec tous les animaux, vraiment plein, les paresseux, les perroquets, ils viennent, tu peux les toucher et tout, c'est vraiment trop bien. C'est pas un zoo, c'est vraiment adapté, enfin c'est une bonne serre, une très très bonne serre, The Green Planet, écologique et tout, j'aime trop, ils m'ont kiffé. Ensuite les filles, je vais aller me faire épiler aujourd'hui. Ensuite j'ai prévu d'aller à Daiso. En fait Daiso c'est l'Action Dubaï, je veux acheter plein de petites bricoles. En fait, des fois, je tourne la tête, je me dis, ah, il faut ça ici, il faut ça ici. Voilà, des petites bricoles. Donc, on va aller à Daiso. Ensuite, je voulais aller. Donc, on ira manger à ce moment-là et tout. Aussi, je voulais aller à Sephora pour Maria, mes copettes. Je voulais lui acheter un peu de make-up. Je voulais surtout lui acheter une bonne foundation, un bon fond de teint pour ses tâches. Voilà. Et aujourd'hui, le filet pour le chat, mon bébé d'amour, il va venir. Ils vont l'installer dans le balcon, la protection. Parfait, ça sera prêt pour lundi. Je pense que c'est déjà très très bien pour ma journée. J'ai prévu de faire tout ça samedi parce que demain j'ai mon annonce donc je sais que je pourrais pas le faire. Au passage, il est 11h48 chez vous, 9h48. Mais moi, chaque matin, je me lave la peau avec mon nettoyant visage. Aujourd'hui, j'ai un code en plus du moins 50. L'autre fois, autant vous dire que vous avez dévalisé le site. Je suis trop trop contente, j'ai trop hâte. Regardez ma peau réveille sans filtre, sans rien. Depuis que j'utilise cette pépite, mes poupettes, c'est de la bombe atomique. Autant vous dire que vous avez dévalisé ce site. Et là, en plus du moins 50, elle vous offre une surprise dans vos colis. Donc, voilà. Là, vous avez ma tête sans filtre. C'est. Je vous jure. Mes poupettes, je vous avais dit que je la testerais sur le long terme et tout. Donc, vraiment. J'ai jamais vu une gamme pour la peau aussi complète que ça. Genre, vraiment. Ça, elle est incroyable. Déjà, ça sent trop bon. C'est. Quasi 100% d'origine naturelle, c'est à la base d'escargot et tout. Ça va vous faire une peau. J'avais plein de micro-kystes, des boutons d'hormones et tout avec mes trucs. Zéro, plus rien. Peau toute nette. Mais au début, moi, ça m'a sorti mes boutons, vous vous rappelez ou pas? Je vous mets le avoir après de toute façon. Ça m'a sorti mes boutons et tout. Et après, plus rien, les poupettes. Magnifique. Donc là, vous venez, vous prenez la mousse. Alors, le kit, c'est ça. Donc, vous avez et la mousse. Ensuite, vous avez la crème hydratante, mes poupettes. Et vous avez le gel. Magnifique. Les deux là, c'est ce que je mets tout le temps. Et quand vraiment j'ai le temps, je m'applique et tout, je mets le gel. Mais il y a un pack de trois là. Ça, ça et le gel, pour moi c'est le meilleur. Ouais, du coup là je me suis lavée. Je vais venir essuyer mon visage. Est-ce que vous voyez comment ma peau elle est neuve ou pas? Attendez. Il y a zéro filtre, rien du tout. Là c'est que moi, je mets aucun filtre et je n'ai jamais mis de ma vie aucun filtre. Donc si vous avez vu des trucs passer comme ça, je n'ai jamais mis de ma vie aucun filtre. C'est hyper flatteur qu'on me dise oui tu mets des filtres cachés et tout, j'en ai jamais mis de ma vie. Donc, en fait, vous venez mettre le gel sur votre peau. Alors, attendez, mes mains glissent. Voilà, ça va faire du bien, ça va resserrer vos pores et tout. C'est vraiment une gamme qui est hyper, hyper complète. Genre, il y a tout, tout, tout. Ça enlève toutes vos taches. Vous savez, les taches, boutons d'acné et tout, c'est de la bombe. J'ai reçu tellement d'avis positifs. J'étais choquée avant que je travaille avec eux. Plein de poupettes qui me disent ça m'a sauvé la vie, ça m'a sauvé mon acné. En fait, ça, c'est vraiment l'acné, mes poupettes, les taches. Vous savez, les taches qu'on a suite à l'acné, etc. Ça, c'est vraiment la base des bases. Et là, vous laissez votre peau. Vous allez avoir une magnifique peau. Ça fait un mois que j'utilise, je crois. De la bombe. Je peux plus m'en passer. Ça hydrate, ça c'est complet. Et ça sent tellement bon en plus. Vraiment, tout ce qui est tache, acné et tout, mes poupettes. J'ai eu tellement d'avis de mes poupettes, c'est incroyable.
Sachez mes poupettes que c'est de la bombe atomique. Et les poupettes, vous savez que je l'ai testé avant de vous en parler. Il le fallait parce que le prix de la gamme, il revient à 60 € avec mon code. Ça vous fait 20 €, 20 €, 20 € le produit. Et franchement, ça les vaut un milliard de fois. Ça les vaut un milliard de fois comme quand vous mettez des 60 € dans une crème Drink Elephant. Drink Elephant, là, c'est exactement la même chose. Sauf que ça, c'est une gamme complète. Ça les vaut 100 000 fois. Au début, je me suis dit, c'est un peu expensive et tout pour le budget et tout. Mais franchement, elles durent tellement longtemps. Le gel, et ça fait un mois que je les utilise. Ça se voit même pas, mes poupettes. Et celui-là, par contre, c'est mon deuxième. Parce que bah ça mousse trop bien. Et des fois, je me fais des make-up la journée. Je me démaquille, je me redémaquille le soir et tout. Du coup, c'est mon deuxième. Franchement, pour votre peau, je vous conseille cette gamme. Elle est incroyable. Des crêpes, les poupettes. On va aller manger après, genre juste après le The Green Planet. On va aller manger tous ensemble. Donc là, je leur fais des petites crêpes juste avant de sortir. Le jus d'orange là. C'est pas moi et Maria. Ok. Ok, je viens. Hop. Des bonnes crêpes. Poupettes, on dit toujours que la première crêpe elle est toujours ratée. Je vous jure qu'avec ma recette, la première crêpe elle est pas ratée, mes poupettes. C'est une recette que j'ai inventée moi. Je sais qu'elle est très précise, mais si vous la faites, vous allez faire les meilleures crêpes. Mes poupettes, oh mon dieu, je vous l'ai donné l'autre fois, mes poupettes. Vous vous rappelez ou pas? Donc voilà, petite crêpe. Fais la photo, ma vie, s'il te plaît. Attends, okay. Attends, ça va, c'est je vous ai pas, déjà montré mes poupettes son appareil photo ou pas? Je sais pas, je lui ai pris l'autre fois. Ah, faut mettre à charger, mon cœur. On va se régaler. Non, elle prend des photos de tout. Si vous voyez les photos. Dedans, là. Dedans, il y a des très, très, très gros dossiers. Très, très, très gros dossiers de cette famille. Maria est passée, tout le monde. J'ai fait des bonnes petites crêpes. Un régal. Avec du jus d'orange pressé. Thank you, my Maria. Donne à maman l'envie. Ah. 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 T'as pas d'humeur, ma vie? Tu veux du orange juice, mon fils? Vous avez goût, ma vie? Maman va vous emmener. À the green planet. Encore. Tu pourras toucher les perroquets, les paresseux, les chauves-souris. Ici. Voilà. Ils volent partout. Voilà.
Les perroquets ici. Et même les serpents, tu peux les prendre. Les perroquets. Oui, j'aime bien les serpents. Moi, je les aime croire, les serpents. C'est vrai? Oui. C'est parti, je vais me faire une petite beauté. Donc là, on va... Oula, c'est quoi ça? C'est de la peluche. Je vais me lâcher mes cheveux. Donc là. Je vais me faire une vraie petite beauté. Donc pour la coiffure, c'est bon. J'ai rapproché mes boucles, en fait. Hop là. Attendez, si c'est pas assez mouillé. Qu'est-ce que j'aime trop, ces organisateurs là. C'est incroyable, c'est la bombe, j'aime trop. Hop là. Hop là. Hop là. Voilà, là c'est mieux. Allez, hop, je me fais vite faire un petit make-up en speed. Je vais m'habiller en mode. En mode jungle quoi. La base. Je reviens quand je suis prête, je crois, ok? Faut que je mette mon téléphone chargé, sinon j'aurai pas de batterie pour vous snapper dans la journée. Ok? Et voilà, mais bon, je me suis habillée, j'ai mis ça avec un petit cargo, mes cheveux, un petit bob Jacquemus, comme ça. Et voilà, je pense que ça fait très très bien comme ça. Avec une petite paire, c'est bon en fait. Voilà. On y va. On s'est tous habillés dans le thème. Baloulou, il a mis un petit haut comme ça avec un petit pantalon. Maman, elle a mis un petit cargo comme ça avec un petit bob. C'est Anna, elle a mis une petite robe. Elle est en train de mettre ses chaussures. C'est bien beau, mais pourquoi ça fait du bien, hein. C'est trop trop agréable. Trop agréable. Vu que Paris-Normandie sont les plus gros fanatiques que j'ai et que à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans ma vie, ils sont toujours là à essayer de sortir des scoops qui sont totalement faux. Bon, leur crédibilité, vous savez que je vous l'ai déjà remis en jeu plus d'une fois, que de la mythomanie, des suppositions, de l'invention. Et là, en l'occurrence, c'est totalement faux. Alors, je vous explique, c'est hyper simple. Il y a une semaine de ça, on a eu un contrôle au salon de Juvé. Donc, moi, je suis en règle sur tout de A à Z. Malencontreusement pour moi, mais vous pouvez être à ce moment-là. Donc, il y avait une employée qui est actuellement encore en période d'essai. Donc, on vient de la recruter. Et vous savez, quand vous ouvrez un salon de Juvé, tous vos employés, sans exception, doivent avoir la certification UV. Vous savez, la formation que Alan, il a fait, que sa sœur, elle a fait aussi. Donc cette certification, c'est 1 500 € par employé. Donc bien évidemment qu'on ne va pas payer une certification d'UV à une employée qui vient d'arriver sans savoir si quel contrat on lui fait, on la garde, etc. etc. Donc elle est en période d'essai et quand ils sont venus, comme par hasard, pendant son essai, et donc elle n'avait pas la certification d'UV, ils ont dit vu qu'elle est à l'accueil et qu'elle n'a pas la certification d'UV, on ferme le salon. C'est ni plus ni moins. Et je vous l'ai pas dit parce que ça va réouvrir et qu'en gros, là, on va lui faire sa certification parce que finalement, on la garde. On va lui faire le salon, il va réouvrir comme c'est de réalité. Donc, ça me met hors de moi en fait. Je peux plus avoir de vie. En fait, je ne peux plus avoir de vie privée. Genre, ça, je l'ai pas dit. Pourtant, je l'ai appris quand j'étais à IKEA. Alan, il m'appelle, il me dit ils sont en train de fermer le salon par rapport à l'employé en question. Elle a pas la certification. Je dis c'est pas grave, on va la faire. On va leur ramener, on va leur déposer et on va la faire. Ils sont partis, même la préfecture maintenant ils vont piapiailler à Paris Normandie, blablabla. Même eux ils ont rien d'autre à faire, c'est
Mes poupettes, c'est un ras-le-bol en fait. Je quitte la France, je viens à Dubaï pour qu'on me rentre dans mon cerveau encore à distance. Et puis de toute façon, je veux plus rien. Je veux plus rien. Je veux plus rien. Ça m'a dégoûté. C'est trop pour moi. C'est que des problèmes, c'est que des histoires. Tout le temps, on veut me tomber dessus, tout le temps ça. Donc le salon, il est en règle, d'accord. Voilà mes poupettes, c'est juste ça. C'est juste que ma petite chérie Manel, elle avait pas sa certification, c'est tout. Et donc, elle vient de commencer, les filles. Tu payes pas une certification comme ça, 1 500 euros, comme ça, à n'importe quel employé. Elle part après, elle peut l'utiliser pour un autre salon d'UV, alors que c'est toi qui lui as payé. C'est pas comme ça la vie, hein. C'est pas comme ça. Donc, elle est en période d'essai. On allait être sûr de la garder sur le long terme et tout. Ensuite, alors, il y a des employés à nous qui l'ont. Il y a Alan qui l'a, il y a la soeur à Alan qui l'a qui gérait le salon au début. 1 500, ça coûte cher, hein. Ça coûte cher. Donc voilà, faut bien choisir ses employés pour pouvoir leur payer ensuite la certification. Donc c'est juste ça. Et comme par hasard, ils sont venus au moment où elle était au salon et que c'était pas une autre employée du coup qui l'avait. Et elle était au salon, elle, à ce moment-là, on essaye. Puis voilà, ils ont dit bon, elle est à l'accueil, non, c'est hors de question. Donc voilà. Content d'être venu voir les animaux, qui est content? Et c'est qui va porter les... Oh, dis-moi juste, c'est qui va porter les perroquets? Moi. Et le serpent? Toi, serpent, tu le touches? Moi, le serpent, j'approche pas. Je sais pas. Toi, tu le touches, toi? T'es sûr? Et si tu le prends et il te fait rien, moi, je le prends aussi, alors, ok? Oui, toboggan. Toboggan d'abord? C'est ce que tu l'aimes, maman? Tu l'aimes, maman? Comment? Comment tu l'aimes? Moi aussi, ma vie. Tu auras tout ce que tu veux, mon amour. J'essaie de t'oublier là parce que. No comment en fait. No comment parce que moi on dit oui, buzz, drama, etc. Quand je l'ai su, j'étais à Ikea il y a une semaine, je crois, que mon salon. Alan il m'appelle, il me dit il y a les contrôleurs et tout, ils vont fermer le salon. Je dis ok, j'aurais pu prendre mon snap, pleurer et tout. Je l'ai pas fait, mais en fait. Et là, genre, c'est la préfecture, genre, c'est la police qui va, qui dit ça. I don't know, je comprends pas. Ok, mais en fait c'est hyper 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 cher. J'ai payé 500 AED pour moi, Maria et Céana, parce que Calice ne paye pas. 500 AED, ça fait quasi 150 euros, genre. Ouais, ça fait ça. Ça fait 150 euros par personne. C'est grave cher. Enfin, pour tout le monde, pardon, pour nous trois. Ça fait 50 euros l'entrée. J'espère vraiment que ça vaut grave le coup. Je vous dirai direct. Mais ça a l'air cool. Ça a l'air vraiment cool. Et genre, si tu vas avoir le repas inclus et tout, tu vas payer en plus. Thank you so much. Bien, mais venez, mes vies. Loulou, j'ai choqué. On la touche? Ah maman, la touche. On dirait vraiment des vrais, c'est un truc de fou. C'est juste. Et on dirait vraiment une vraie, je vous jure. Regardez, genre ça respire et tout. Regarde, Loulou. Yeah. Oh là là. Asian, c'est un scorpion. Oh, scorpion. Attends, je vais le toucher. Vas-y, touche. Et toi, les baloulous et les baloulous, ça, c'est un homme, mon amour. Laisse les baloulous. Et les baloulous, il veut toucher. Oh, oh, oh. Comment j'ai peur. Allez, venez, on y va. Allez, on continue, venez. Waouh, regardez ici. Regardez, c'est une sauterelle, ma vie. Oh, regardez, c'est une sauterelle. Ici, tu la vois? Baloulou, regarde, la sauterelle ici. Non, elle est pas méchante. Tous les animaux, ils sont gentils, ma vie. Regarde. Oh, regarde. Oh. Mais maman, c'est une dinguerie ce qui se passe. Mais maman, une géante sauterelle, mais maman, comme dans les films. Allez. Oh, ce que t'as fait, ma beauté. Et moi, je peux le toucher, tu penses? Je peux le toucher? Ah. Et toi?
Et toi, ma loulou? Et moi? On continue, ma vie? Allez, viens. Bah, loulou, viens voir ici. Regarde ma vie, ça. Et toi, ma loulou, et toi? Oh! Attends, regarde, on dirait qu'ils sont vivants. Parce que c'est un vrai, ma fille. Maman, là, on continue. Ok, mon cœur. Regardez qu'on est trop content, mais regarde tout le monde. Mais c'est pas possible. Allez, viens, viens. Waouh, regardez ici. Regardez, c'est une sauterelle, ma vie. Regardez, c'est une sauterelle. Ici, tu la vois? Bah, loulou, regarde, la sauterelle ici. La sauterelle, elle est méchante. Non, elle est pas méchante. Tous les animaux, ils sont gentils, ma vie. Regarde. Oh, regarde. Oh. Ma maman, c'est une dinguerie ce qui se passe. Ma maman, une géante sauterelle, ma maman, comme dans les films. Maman. Moi? Ok, un, deux. Et toi, Zana, et toi, maman. C'est quoi ça, mon cœur? On continue? Allez, go! Avancez, allez, suivez, allez! C'est quoi ça? Oh là là! Oh là là! C'est quoi, ma loulou? C'est Anna, tu touches ça ou pas? On continue. Regarde comment il est trop content, mais c'est quoi? Oh, il y a un poisson ici, regarde. Regarde la tortue, oh, elle est trop belle, regarde. Oh, j'aime trop. Oh là là. Oh. Regarde la tortue. Coucou la tortue. Regarde Sana, mon cœur, regarde comment c'est beau, subhanallah, c'est magnifique. Petit bébé d'amour. Regarde juste comment c'est trop beau, ma fille. On va continuer. Oui, on continue. Coucou mon amour, coucou mon bébé d'amour, coucou. Coucou mon bébé. Trop belle. C'est gentil, hein. Oui. T'en penses quoi? Tu penses qu'ils sont gentils? Il veut aller sur les bras. Oui. C'est génial, vraiment, j'aime trop. Ils sont vraiment dans une serre comme ça, en liberté, ça vole et tout. Oh, incroyable. Je suis trop content, regardez. C'est trop beau. Ils sont en liberté et tout, regardez, ils sont dans une grande serre comme ça. Oh, mon amour. They're just teasing each other. This one is going to play more. C'est génial, j'aime trop.
Génial mes poupées. Ça vaut trop son prix. Les animaux ils sont bah regardez, ils sont trop bien. J'aime trop, ils sont épanouis, regardez, ils sont pas en cage, ils sont là, enfin ils font ce qu'ils veulent quoi. C'est incroyable, j'aime trop. Regardez. C'est là. Là. C'est moi. Yana, tu veux le toucher ou pas? Maria, do you like it? Yeah. Good. Yeah. Do you like the animals? Yeah. Oh, like me. Yeah, it's good. Yeah, it's good.